Michel Chartrand, il est né le 20 décembre 1916 à Outremont. À Outremont, en ce moment-là, c'était pas une banlieue du centre-ville de Montréal, mais pas loin. C'était la campagne, c'était le bois. Et ils étaient collés, les autres, sur le cimetière euh, protestant qui était là. Michel va à euh, sa première école primaire, c'est l'académie Kerbe où les cours sont donnés en français. Mais il existe une école tout près à côté où on donne les cours du primaire, l'école primaire, en anglais. Et cette école-là est fréquentée par pierre Elliott Trudeau. Et il arrivait que des fois, à la sortie des classes de l'Institut de Kerbe et de l'école protestante, qui y ait affrontement à coup de poing sur la gueule entre les parlants français et les parlants anglais. Ça a été le début. <laughs> de sa rencontre avec les Anglais, Chartrand. Trudeau est avec les Anglais, ce qui a pas mal toujours été, quoi qu'il y ait un parcours un peu difficile à comprendre à un moment donné dans le syndicalisme, c'est que Chartrand et Trudeau ont toujours été reliés de près à plusieurs causes, même qu'à un moment donné, Trudeau a défendu Chartrand en arbitrage. Marchand avait congédié Chartrand, Jean Marchand, qui est devenu un des ministres des Trois Colombes avec Trudeau, était à ce moment-là président de la CSN, elle avait congédié Chartrand et Chartrand, pour se faire défendre, avait fait appel à Pierre-Éliott Trudeau, puis avait gagné le grief pour un retour. Chartrand et Trudeau ont été ensemble à la grève d'asbestos, où Gérard Pelletier, journaliste au devoir, était là aussi. Puis Pelletier, on sait que Pelletier faisait partie des trois colombes Pierre-Éliott Trudeau, Jean Marchand et Gérard Pelletier. Et Chartrand a fait ses débuts en syndicalisme en 1949 à Asbestos. C'est bon, presque des destins, c'est presque prédestiné leur rencontre. Alors, pour venir à Dantamy Chartrand qui était au primaire à Cab, il décide à un moment donné, il ne décide pas, ça va par la force des choses, il s'en va au collège Brébeuf, le fameux collège Brébeuf sur la montagne, à Outremont, où c'est la haute qui envoie ses enfants étudier là. Lui, son père à Chartrand, c'était un vérificateur au gouvernement du Québec. Il vérifiait s'il n'y avait pas trop de pots de vin dans la commission des alcools qu'on appelait dans le temps. Il y en avait, effectivement. Et cet argent-là allait au parti de M. Duplessis de l'Union nationale. Et le père de Chartrand a sorti à un moment donné ce scandale là Il s'est sorti publiquement. Et son père, après 30, 35 ans de loyer au service, a été mis à la porte. Carrément. Ça, Michel, ça l'a marqué. Ça l'a marqué. Son père par la peau. C'était un grand, grand homme sévère de son temps, chef de famille. Qui ne se plaignait jamais, qui n'élevait pas la voix. Alors, Chartrand s'est dit Dans ma vie, moi, je vais élever la voix pour ceux qui ne l'éleveront pas qui n'ont pas, pas nécessairement le courage, mais qui n'ont pas cette aptitude-là de parler haut et fort. Alors, euh, Chartrand est envoyé à Brébeuf, puis ça ne plaît pas. La façon que l'enseignement est donné, ça ne plaît pas. Il n'aime pas ça du tout. Alors là, il va étudier à Sainte-Thérèse, qui est aujourd'hui le Cégep lionel y et là, il est studieux, très studieux. Il étudie le latin, le grec, mais il n'est pas heureux encore. Il n'est pas vraiment heureux. Michel Chartan, qui avait déjà visité la trappe à Oka, les Cisterciens à Oka, les Pères Trappistes, ce qu'on appelait, demande à son père de l'amener pour carrément devenir novice à la trappe d'Oka. Michel fera deux ans à Oka. Il <coughs> faut se rappeler qu'à Oka, on ne parle pas. Pour un verbomoteur comme Chartrand, ce n'était pas exactement là, ce qu'il fallait. Alors, il y a eu de la difficulté, il était en pleine croissance, et de la façon qu'il était nourri là-bas, ça n'allait pas avec son besoin. Et il a commencé à diminuer physiquement. À un moment donné, le don, le supérieur de, des cisterciens, appelle le père de Michel et dit Monsieur Chartrand, vous voudriez bien venir reprendre votre fils il ne nous est plus utile. C'est un choc. C'était un grand choc pour Michel, qui venait à la maison et la famille a fait appel à un médecin. Et son père l'a envoyé suivre un peu de cours comme typographe. Ce qui a toujours été le métier de base de Michel Chartrand. Michel Chartrand, au départ, est un typographe. Quand il a été euh, mis à la porte de la... Du CTCC par Jean Marchand. Il a fondé son numérique les presses sociales euh, à Longueuil. Entre-temps, il allait suivre des cours aussi, ou écouter des conférences à l'Université de Montréal. Alors, là, il y avait les groupes, les, la JSC, La JSC, c'est les Jeunesses étudiantes catholiques. Et étant donné qu'il était sur le monde du travail, il allait aussi dans la JOC, c'était les Jeunesses ouvrières catholiques. Tous ces groupes-là étaient dirigés des prêtres. puis on retrouvait encore dans ces groupes-là pierre éliott Trudeau, Gérard Pelletier, et ces gens-là se formaient une conscience sociale. Puis ces groupes-là, à ce moment-là, c'était vraiment l'Église catholique qui faisait un travail intéressant de regroupement, et les gens pouvaient s'exprimer et échanger des opinions. Ça a eu pour effet que les gens qui sont partis de là sont par la suite été mêlés de très près au monde syndical. Dans ces rencontres-là, un soir, en sortant d'un cours à la Palace nationale, qui est un genre de centre sportif sur la rue Chérié près de Saint-Hubert, la femme de Gérard Pelletier présente à Michel Chartrand une dame qui s'appelle Simone Monet. C'est pas nécessairement le coup de foudre, mais chacun connaissait un peu ce que l'autre faisait et il était en accord avec la formule, la façon de faire. Et il y avait un problème. Michel était plus ou moins sans emploi la moitié du temps. Et les parents de, de Simone venaient de la magistrature. Son père était, était juge, son grand-père était juge, et par la suite, le frère de Simone est devenu juge. Simone avait sa bonne, à elle seule. Alors que n'avait pas une scène. Alors la mère de Simone et son père aussi n'étaient pas d'accord beaucoup pour ce genre de fréquentation-là. Et surtout pas pour un mariage. Mais mariage, il y a eu quand même. <laughs> quand Michel a demandé aux parents ma permission de me marier de marier Simone, les parents ont refusé. Le, 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 le père de Simone, le juge, s'était mis en communication avec l'évêché les, les et avec différentes curies qui refusaient carrément de célébrer ce mariage-là. Il est barré partout, c'est pas compliqué. C'est qu'entre-temps, Simone et Michel. Suivaient des cours de Lionel Grou, des cours sur le nationalisme. Et la, le, le chanoine Grou a consenti à les marier. Ça ne veut pas dire que Chartrand et Simon épousaient nécessairement les opinions qu'ils avaient en tant qu'hommes de droite. Puis la suite l'a prouvé. Ils s'étaient formés leur propre opinion, puis ils ont donné suite. Et comme Chartrand disait, dit, Simon et moi, on a choisi notre clan. Notre clan, c'est celui de la justice sociale et non celui des riches, avec tous les désavantages que ça peut L'argent n'intéressait pas Michel Chartrand. L'argent n'avait aucune importance pour Michel Chartrand. Quand il a pris sa retraite à 80 quelques années, tout ce qu'il avait comme revenu, c'était l'EREA que le, le FATA lui avait remboursé, de 60 000. La Régie des Rentes du Québec, puis la Pension d'Ottawa, puis il y avait le supplément puis tout ça parce qu'il n'y a pas d'autre scène, il n'y avait pas d'autre argent. Et ça a été comme ça jusqu'à sa mort, en 2010. La vie n'a pas été rose pour, le, pour Simone Chartrand. Simone Chartrand a élevé sept enfants, cinq filles, deux garçons. Michel n'était pas là la moitié du temps. Simon était pris avec des factures impayées d'électricité, de loyer évidemment, un peu d'argent pour la nourriture, il devait aller vendre même des bouteilles pour acheter de la nourriture. Et Michel, qui était absent des fois deux semaines, trois semaines, revenait à la maison <coughs> avec des victuailles, mais surtout avec des fleurs et du vin. Mais pas d'argent pour payer les comptes, c'est pas important. Il faisait plaisir à sa femme, pour aux enfants, le reste, les créanciers. Attendront. C'est la façon de vivre. Puis Simone, qui, je répète, avait sa bonne, avait accepté cette façon de vivre-là. Puis ils ont été heureux comme ça. C'était des militants qui payaient déjà le prix d'un militant qui veut aller au bout de son affaire. La première fois que Michel a fait du syndicalisme avec les gens d'Asbestos, c'est Philippe Gérard, qui était le président du Conseil central des syndicats nationaux de Montréal, de la CSN, et Gérard Pelletier, qui était journaliste au devoir dans le temps, qui écrivait aussi un peu pour la CSN, sont allés chez Michel, puis leur a demandé, ils ont demandé à Michel de les accompagner pour 15 jours, deux semaines. Michel a demandé la permission à Simone, a dit oh oui, vas-y, c'est ton... C'est ta nouvelle façon de faire, le syndicalisme. Tu y crois, puis tu veux travailler là, vas-y. Il va partir pour deux semaines, il est revenu au bout de deux mois. C'était l'entente tacite entre les deux, avec tous les inconvénients que ça pouvait créer. Et là, de fil en aiguille, Michel Chartrand a été embauché comme propagandiste à la CSN. Jean Marchand est président à ce moment-là du. Du CTCC. Marchand et Chartrand, ça n'a jamais été le grand amour. À ce moment-là, Asbestos, tu vois, le président de la CTCC, c'était Gérard Picard. Et Jean Marchand était secrétaire général. Et curieusement, à ce moment-là, le, le, celui qui fonçait le plus, c'était le tout frêle le Gérard Picard. Gérard Picard, c'est un pied cent 105 livres, bien mouillé mais avec un front de bœuf épouvantable. Et Marchand, qui était secrétaire général, c'est l'éteignement. Il temporisait. Il temporisait tout, alors que Picard, il fonçait. À un moment donné, c'est ça, mon chartrain est congédié. Ça ne dit il est pas congédié, son contrat n'est pas renouvelé, comme propagandiste à la CTCC, par Marchand. Il demande d'être renouvelé, il ne veut pas, il fait appel à Trudeau, comme je disais tout à l'heure, Trudeau gagne son grief, Chartrand est réinstallé, mais encore une fois, Marchand le congédie, ou en tout cas, refuse de renouveler le contrat. Et là, Gérard Picard, qui est bien tanné de tout ça, il dit à Chartrand, tu vas devenir mon chauffeur. Pourquoi le chauffeur de Picard? Le président de la CTCC n'a pas besoin de chauffeur c'est que Picard, qui était tellement euh, militant, affrontait régulièrement Duplessis. Et Duplessis a trouvé un moyen, à un moment donné, pour lui faire euh, enlever son permis de conduire. Et là, Duplessis a passé une loi, une loi, pas un décret, une loi, pour que Gérard Picard n'ait plus jamais de permis de conduire. <laughs> Alors, il était un petit peu ennemi, ses bords. Alors, c'est là que Michel est arrivé comme chauffeur de Gérard Picard. De, durant deux ans, deux, trois ans à peu près. Et on disait que le, le, le président de l'ACTCC était conduit de plus en plus vers la gauche. <laughs> Alors, à un moment donné, Michel a dit écoute, tu t'assures, c'est une situation qui est trop délicate pour toi, Gérard. Je vais m'en aller dans mon métier qui est typographe. Puis il a mis sur pied. À ce moment-là, c'est les princes sociales du Québec. Et là, aux Prince sociales du Québec, Michel a continué d'être quand même en relation avec les syndicats. Il imprimait les conventions électives, les journaux des syndicats. Il a été le premier à imprimer Gilles Vignon. Il a été l'imprimeur de la revue Socialisme, de Parti pris, qui est des, des, des groupes de gauche. Ailleurs, ces gens-là, ne pouvaient pas se faire imprimer. Un, il n'y avait pas d'argent. Alors, certains imprimaient. Ils disait vous me payerez quand vous pourrez. Ils payaient quand ils pouvaient. <laughs> par contre, empl les, les employés qui avaient, dont son fils, à l'imprimerie, certains les obligés à s'indiquer. <laughs> Et quand il arrivait, par exemple, des négociations de la Convention collective, les employés demandaient, mettons, euh, une augmentation à 10 cents de 10 de l'heure. J'en train de leur dire, vous vous, vous n'arriverez jamais avec ça, c'est 15 cents, que ça vous prend. C'est le genre de contrat qu'ils signaient. Tu sais. mais, mais, L'imprimerie marchait quand même. Il faisait des surplus, il faisait des prix raisonnables. En ayant un, pers un personnel syndiqué, il, il, puis, sa famille vivait avec ça. Il était à Longueuil, dans un sous-sol. Il s'organisait. Vous ceux qu'il y avait quelque chose. Ils par exemple, Murdochville. Chartrand, euh, qui a quand même ses origines à la CSN, est témoin qu'il y a une grève à Murdochville, en Gaspésie. Il dit à Simone On y va On ferme les portes, bon, on y va. Puis c'est ce qui est arrivé. Il arrive là, il ne connaît personne. Il offre ses, ses services à Théo Gagné, qui était un travailleur de Murdochville, qui était président du syndicat à ce moment-là. Et de fil en aiguille, il, veut dire, il a travaillé là-dessus. Par la suite aussi, Michel a travaillé pour les métallos de l'AFTQ, en Abitibi, à Val-d'Or, des choses comme ça. C'est un gars qui ne pouvait pas tolérer dire le, les injustices sociales. Il était convaincu de ça. Michel était un croyant. croyant, pas nécessairement euh, pratiquant, mais catholique. Jusqu'à sa mort. Il est toujours devenu catholique jusqu'à sa mort. Et il avait développé cette conscience sociale-là, ou ce nationalisme-là aussi, lorsqu'il était avocat. À Oka, tu ne parles pas, là, jamais. Tu réfléchis. C'est là qu'il avait développé cette justice sociale-là, lentement. Il l'a appliquée à ses risques et périls. L'année 68, ça brasse partout dans le monde. Hein? Ça brasse à Paris particulièrement, les étudiants, puis tout ça brasse fort. Et il y a été nommé Florent-Odette qui est directeur général du syndicat de la construction de Montréal, affilié à la CSN. Il représente pour la région de Montréal, lui, les journaliers, les euh, menuisiers, charpentiers. Il ne représente pas les autres métiers, comme les électriciens, les plombiers. Eux sont affiliés à la FTQ. Il y a de la difficulté parce que la Fédération qui regroupe les syndicats de construction de la CSN, dans tout le Québec, a son siège social à Québec. Puis, il n'aime pas beaucoup la façon de faire de Montréal. Et Florent Odette a de la difficulté à euh, s'imposer un peu là-dedans, aller chercher de l'aide pour Montréal. Il affronte la FDQ, là, lui. là. Alors, il a besoin d'aide. Pépin ne lui fournit pas cette aide-là non plus. Alors lui, il décide de dire « OK, on va ouvrir, on va aller chercher la grosse machine. » Et il va chercher Michel Chartrand, qui est imprimeur dans son imprimerie Les Pays sociales à Longueuil. Alors, Michel Chartrand dit oui, « OK, je vais revenir ». Au syndicalisme, au syndicat de la construction, pour faire de l'éducation et de la formation syndicale uniquement au syndicat de la construction. Ça a duré deux mois, deux, trois mois après ça. Florent Odette, c'est là qu'il a passé l'enligné en lentement vers le Conseil central de Montréal. Et là, à ce moment-là, avec Chartrand à ses côtés, Florent Odette pouvait parler assez fort aux dirigeants de la Fédération, du bâtiment, de la CSN, et à Marcel Pepin, puis il était écouté et entendu. Alors, c'est comme ça. Là, Charles Trump, c'est ça. De fil en aiguille, il devient président du Conseil central en décembre 68. Il a pu il, le, le, le poste à plein temps. Et il délaisse son poste de conseiller syndical à la construction. Et là... Allons-y pour, la, pour la, la galère, on part. Chartrand, c'était... Il pensait à quelque chose, hein. il fallait que ça soit décidé puis vite, puis pas hier, avant hier. Il fallait que ça se fasse rapidement. Par exemple, en octobre 71, il y a une manifestation pour les gens de la presse. Il est côté de la presse. Tout ça se termine après la, la, la manifestation, ça se termine tout près de l'hôtel de ville. Il y en a qui essayent de défoncer les, les, les barricades, c'est le bordel, les gens s'enfuient, les policiers fessent à tour de bras, c'est le massacre. Au Conseil central, on sert d'infirmerie, on va transporter des gens sur des brancards à l'hôpital Saint-Luc. Il y a une, une personne qui meurt étouffée, souffrait d'asthme et tout ça. Et Chartrand est parmi les manifestants, mais simple titre de manifestant, point, pas plus que ça. Il n'a pas participé à l'organisation, rien de ça. Il est là comme manifestant. Ça, c'est le vendredi soir. Le samedi matin, il m'appelle à la maison, il dit « Fernand, il faut relever la tête, ça n'a pas de sens. » Il dit « J'ai loué le Forum de Montréal. » J'ai dit « C'est fou !» Il dit « J'ai appelé Molson, puis j'ai demandé s'il était au courant qu'est-ce qu'il devait sa bière. » Il dit, c'est les gars que je représente qui me ma vote bien, M. Molson. M. Molson, on a besoin de votre forum. Il l'a eu, pas cher. On a fait une assemblée. On a eu 15 000, 15, entre 15 et 20 000 personnes qui sont venues. On a fait une collecte dans la salle pour payer la, 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 la salle. Puis il nous est resté de l'argent qu'on a donné aux gars de la panne. Sur la scène, on a eu Louis Laberge, le président de la FTQ. On a eu Charbonneau, le président de la CEQ, dans le temps. Marcel Pépin avait été invité, il a cru bon de ne pas venir. s'est trouvé une excuse pour ne pas venir. Il a regretté après ça pas mal. Et ça a été une assemblée qui s'est déroulée dans l'ordre, mais on avait relevé la tête. Puis Louis Labert nous avait donné un beau discours à ce moment-là. Il nous avait chanté un coup de matraque, ça frappe en tabernacle. Pas d'autre que Chatran aurait pu, veux dire, à un moment donné, organiser ce genre d'assemblée-là. De, de mobiliser les gens autant que ça. C'était sa force. McLuhan disait que le médium, c'est le message. Dans le cas de Chartrand, c'était exactement ça. Exactement ça. Il était lui-même le message. Des gens, moi, je me rappelle des gens qui allaient à des assemblées où Chartrand parlait, là, durant deux heures. Généralement, c'était ça, sa moyenne. C'était deux heures. Il avait copié Castro, probablement. Alors, deux heures. Je demandais aux gens qu'est-ce qu'il avait dit cette soirée. Les gens s'en souvenaient pas de ce qu'il avait dit. Mais il se que Chartrand les avait mobilisés à une cause. Sans se souvenir exactement de ses paroles, mais il se souvenait de Chartrand avait parlé, puis ça leur avait plus, puis ça les avait dire, mobilisés pour la cause. Alors, Chartrand était le médium. Le message, c'était lui. Exactement ça. Il était sa force. C'était sa force. La parole. À un moment donné, quelqu'un qui disait à Chartrand, Chartrand, tu te prends pour une vedette. Et Tu ne me prends pas pour une vedette. Je suis une vedette. <laughs> C'est ce qu'il était. Alors, il mobilisait, il plaisait. Il plaisait à des gens. C'était un artiste. Il était, il était aimé énormément. Il était accueilli partout à Breuvert dans le monde des artistes. Et lui se reconnaissait à l'intérieur de ce monde-là. Et comme il disait, des artistes, les artistes ne sont pas en avant de leur temps, ils sont de leur temps. C'est ce que chacun était, il était de son temps, tout comme les artistes, avec une conscience assez éveillée, une conscience d'artiste. Demain, il plaisait aux journalistes. Hein. On organisait, je me souviens, au Conseil central de Montréal, moi... Hein, avec Chartan, je suis allé jusqu'à organiser trois conférences de presse la même semaine. Puis les conférences de presse, c'était couvert. Hein? C'était la deuxième puis la troisième de la presse. C'était la troisième puis la quatrième page du Journal de Montréal. C'était à Radio-Canada dans le prime time. Puis c'était à TVA. On était couvert. Puis c'était à Montréal-Matin. Puis c'était tout ça. On était couvert. Tous les médias, tu sais, que ce soit la radio, euh, que ce soit ailleurs... Bon, il a été invité à jouer dans Moi et l'autre. Deux Femmes en or, il était le juge dans Deux Femmes en or. Alors, il était partout. Il était partout. Les journalistes se l'arrachaient. Le monde des artistes l'aimait. Puis, à ce moment-là, il était syndicaliste à plein temps aussi. Alors, Chartrand, le syndicalisme. Il avait un charisme. Chartrand avait un charisme. Que veux-tu? C'est pas donné à tout le monde d'avoir un charisme. Notre ami Marcel Pepin, que j'ai toujours considéré comme un ami, il était un militant dans l'âme, un excellent négociateur, mais il avait pas de charisme. Il n'y avait pas le charisme que Chartrand avait. Puis dans le fond, il disait la même chose tous les deux, mais pas de la même façon. Tu sais, le cadeau dans la boîte, c'était le même, mais il n'était pas emballé de la même façon. Comme il y a d'autres épithètes qu'on peut-être qu'on qu lui accrochait régulièrement, le moustachu, euh, le, 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 le gros chômeur du syndicat. Euh, le sacreur. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai bon, un de mes derniers livres, que un, un petit, petit, petit livre de quelques pages, j'avais appelé ça avec les qui en couverture de Dominique Michel, qui imitait euh, Chartrand. Alors j'ai appelé ça Sacré Chartrand ». Je peux Et c'est là qu'il dit, dans, que, que je rapporte dans un de ses discours, il dit, à 85 ans. J'ai peut-être un pied dans la tombe, mais l'autre, je suis capable de le lever encore de la hauteur du cul d'un ministre. <laughs> thank you